ça parle à tout le monde quand on parle on va dire, de déplacement pour des animaux. C'est pas forcément évident pour des plantes, mais là on a des exemples de plantes qui peuvent profiter dès qu'il y a des endroits où l'homme n'intervient pas pendant un petit moment. Mais on a tout un tas d'exemples de plantes qui se développent comme ça en fonction de l'endroit et si elle est aménagée ou pas. Donc au niveau diversité, à votre avis, vous diriez quoi là? Au niveau de la biodiversité, est-ce que vous pensez que c'est un endroit qui est riche ou pas? Oui, relativement. Il y a des tas de trucs ici. Alors oui, il y a beaucoup de choses. Après, d'un point de vue humain, est-ce que c'est un beau jardin? Non. Le pépé qu'il entretenait est allé sous d'autres cieux, voilà. Ah, d'accord. Mais sinon, vous l'aviez des jardins. Mais je répète ma question. Est-ce que c'est un beau jardin? Ça dépend à quel point de vue. Moi, j'ai la beauté à gagner. Alors, moi, je la place à un niveau qui est personnel, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous en pensez. Ce que vous, voilà. Et que peut-être, effectivement, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Et c'est par rapport justement à la dimension culturelle. Qu'est-ce que c'est qu'un beau jardin d'une façon générale pour les gens? Il faut que les plantes poussent, il faut que ce soit entretenu. Il faut que. Alors, entretenu, ça veut dire quoi? Quand on cite le nom des berges, c'est pour ça que la carte que je vous ai faite tout à l'heure, enfin ce matin, où on voyait une tache urbaine rose détendue dessus, on a vraiment un corridor et une trame verte qui est un peu aidée au passage de l'île. Prenez en compte la vie des cours d'eau. Il s'implantait au niveau des cours d'eau, mais c'était quelque chose qu'il prenait en compte. Et si jamais, lors d'une grosse crue, le cours d'eau était dévié, il prenait un autre cours, eh ben, il s'adaptait, il déplaçait les villages, il déplaçait certaines maisons pour les reconstruire. Bon, alors les maisons étaient un peu plus faciles aussi à reconstruire que maintenant, c'est sûr, mais c'était quelque chose. Et si jamais, alors il y en a qui vont sur le bord de l'Allier par exemple. L'Allier, ça fait encore partie de ces fleuves qui sont vivants dans le sens où il y a des portions entières de plusieurs dizaines de kilomètres où le cours d'eau il est laissé libre. Et si jamais vous regardez sur la toponymie, il y a des endroits où on voit des restes de villages à des endroits où il faut faire 2 km pour trouver le cours d'eau actuel. Mais c'est des choses qui, au cours des siècles, les gens le savaient et laissaient le ruisseau vivre. Et laisser vivre, ça veut dire profiter aussi de tous les limons que ça peut apporter dans les zones agricoles. Que chaque fois qu'il y a des crues, effectivement, ça peut détruire une partie, mais ça va, quand ça déborde, ça va s'épandre dans les zones d'expansion de crues et dans les zones souvent qui sont assez fertiles, et ça va réapprovisionner le milieu en limons et en sels minéraux, etc., qui vont être souvent nécessaires pour la culture. Donc ça évite de devoir faire des apports avec des produits phytosanitaires, etc. Où elle ne figure pas. Et ici, donc, ça nous a paru intéressant de vous emmener parce que, donc, du coup, on est parti de la mairie qui est là. On s'est tenu donc en rive droite du Thouir. On a traversé ici, on a vu les jardins là, on a avancé le long de la RD et on est parti sur la droite ici. On continue donc à suivre les berges du Thouir qui sont de ce côté-là. Alors sur le plan on voit très bien là, on est sur la route du Peyrat en fait, donc le village ancien hein, de la Roque, hein, au pied du Castella. Et les extensions urbaines récentes donc, qui se sont faites le long des voies de communication, on voit très bien donc un accès sur la RD, etc. Et ici, donc, le poste, donc vous avez un poste de 84, celui-là est de 2007. On voit qu'il a rendu constructible cette parcelle-là en se projetant en termes d'emplacement réservé ici. Il y a eu création d'une voie donc, qui a été faite, hein, voilà, elle est comme ça. Et là, on a donc une grande parcelle agricole hein, qui a été ouverte à l'urbanisation sans autre questionnement, autre mesure.
Je ne sais pas, Bruno, si tu veux compléter. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas trop d'informations sur la façon dont cette parcelle va être urbanisée. Il y a quatre parcelles, il m'a dit, M. Ders. Quatre parcelles. D'accord, bon voilà. Donc la question typiquement sur ce type de parcellaire aurait été de s'interroger sur qu'est-ce qu'on veut y mettre. Si on ne s'interroge pas, on sait ce qui se passe. Ça commence d'ailleurs. Vous avez derrière un pavillon. Il va y avoir quatre pavillons un peu éparpillés qui seront jetés comme ça sur la parcelle. Voilà. Voilà. Donc la question c'était, est-ce que dans le cadre des fameuses orientations d'aménagement et de programmation, on peut faire une autre projection, on peut donner autre chose, est-ce qu'on veut aligner les maisons, par exemple sur la voirie, se laisser les jardins au sud, créer un espace plus ouvert au sud, est-ce qu'on traite effectivement de manière paysagère l'interface entre la rue et les maisons, parce qu'on sait que dans nos lotissements récents, ce qui est très difficile à gérer, c'est bien l'articulation entre l'espace privé et l'espace public. Vous savez, les fameuses clôtures de lotissement. Imaginez la façon dont vous développez la clôture. Dans la clôture, bon, c'est une de faire la clôture en faisant la maison. Le monde que tous les jours, on en parlait un peu tout à l'heure. C'est pas la grandeur de la parcelle qui fait le conflit ou pas. Au contraire, même dans la façon de disposer la maison, les sources de conflit, ça pour nous faire confiance, on sait qu'il y en a beaucoup. Voilà, donc une orientation de management de programmation, malgré tout, elle peut aller jusque-là, quoi, anticiper ce genre de choses, dans la façon de placer une maison, dans la façon de rendre aussi un endroit accueillant et sympathique. Et après, oui, mais alors de moins en moins. Et je vous suis pour les postes. Les postes, c'était une obligation. On avait des parcelles de 2000 mètres carrés. Oui, sauf que la signature individuelle aujourd'hui peut se traiter sur des parcelles beaucoup plus petites qu'il y a 20 ans. La parcelle, on est là, nous, là, on est là ici. Donc ici, c'était une prairie, hein, voilà. Et on voit que l'urbanisation s'arrêtait ici. Ici, en fait, il y a écrit ruisseau. Et puis là, il y a le trait qui passe, là, qui suit le ruisseau. Point barre. Ça peut être une trame voilà. Magnifique. Et alors, aujourd'hui, en fait, ou 12 ans plus tard, en fait, on a donc toujours la même zone, en fait. Elle n'a pas bougé, hein, c'est celle-là. On est venu ici créer une zone UC. On a créé une voirie relativement confortable, hein, 6 mètres de large, etc. C'est la voirie lourde qui rejoint ce chemin-là. Aujourd'hui, si vous voulez, on n'abordera plus du tout les choses de cette façon-là. C'est-à-dire que là, en examinant un petit peu le schéma urbain sur la Roque, on va s'apercevoir qu'ici, en zone UB, il y a une très très grande parcelle, là, ici, de ce côté-là, celle qui est là, qui existe là aussi. Et qu'ici également, on a donc une zone UC, il y a deux maisons ici, on a quelque chose d'énorme. Et donc, plutôt que d'aller recréer de la zone constructible en périphérie, on va demander de travailler sur la densification de ces secteurs-là. Ouais. Tu me dis bien sûr, mais alors là, c'est loin d'être évident. C'est loin d'être évident. Bah oui, et en plus, donc, ce qu'on dira ici, bon, puisque la thématique c'est la TVB, le paysage, ce ruisseau là qui est complètement oublié, qui fait plutôt effet de cloaque là, ça sera forcément un élément de projet à prendre en compte. Système d'irrigation de différentes usines qu'on a après. Et en fait, je pense que ce canal, il est encore plus facile, c'est d'alimenter le moulin. Ici, il est endigué, je pense, hein, donc on arrive en ville, après il est un petit peu plus libre. Oui, écoute bien, il y a des truites en plus là. Donc on va aller jusqu'après le bâtiment, là, parce qu'on va le voir dans sa partie un peu plus naturelle. Et après, on va tourner sur le lotissement. Alors on peut aller juste après le bâtiment qui est là, parce que après, c'est beaucoup plus naturel.
on mixe avec du dense, du un peu moins dense, mais on veut donc, on crée, mettons, un alignement d'arbres, on recrée un espace public au milieu avec éventuellement une petite mare ou un dénou où on stocke donc le pluvial, plutôt que de faire, vous voyez, des descentes de gouttières et puis un réseau pluvial sous voirie. C'est tout un autre système de réflexion qu'il faudra mettre en place. Là, on va se retrouver comme ça l'a été dans le pays la première fois, qui a des ans. On va se retrouver avec des obligations d'aménagement d'une grande parcelle. Et là, est-ce qu'on va trouver des aménageurs qui vont faire cet investissement? Parce que là, c'est une obligation. Hein, à partir du moment où on aura validé le PLUI, donc les entreprises qui sont intéressées ou un aménageur, il va être obligé de faire un aménagement global. Cette formule. Est-ce qu'on peut aussi choisir une formule d'aménager au fur et à mesure de... Plutôt de faire par tranche, oui. Tout en ayant une homogénéité sur l'espace, l'ensemble, mais par tranche pour permettre, parce qu'on n'est quand même pas à Montpellier ou à Toulouse, et donc il n'y a pas une expansion extraordinaire de construction, donc il est peut-être nécessaire... C'est conseillé d'avoir un aménagement d'ensemble, d'avoir une vue d'ensemble de ce qu'on veut faire, de où on doit aller, et ensuite de faire un aménagement. De proposer un aménagement, on pourra mesurer de l'avancée. C'est ce qui permet à la main, sinon on va encore bloquer toutes les... Oui, mais prévoir qu'il y a tout à fait bien. Je pense que la fête va rentrer par le lotissement. Jeter un coup d'œil sur le parc Boutan, mais je pense qu'on veut rentrer quand même. Je dois partir à 16h. Quelle heure? Si je peux me permettre par rapport au canal de Venise, il me semble tout le long des habitations là-bas. Ça vient de là-bas, le canal. Il vient pas de plus aussi. Je ne me souviens pas, j'y passe 10 fois par jour, mais je ne me souviens même pas s'il y a le canal qui continue. Plus haut. Et là, c'est usé, là. C'est usé et ça viendrait du canal qui a plus. Il va jusqu'à l'usine, hein. Il va jusqu'à chez Michel Thierry. Là, il y a un usage. Stratégique. C'est celui qui faisait le travail du sol. Là, on a plus beaucoup à la vélo.